veux dire que nous-mêmes, Hashtag TV, nous débattons pour nous venir dans le fief Ludovic, un jeune artiste. On a dit, Ludo, qui est souillé Ludo? Moi-même, c'est Ludovic, un jeune artiste qui n'a pas eu à ou qu'on est. N'a pas évolué, n'a pas pour nous faire baillot dans le bon sens. Fait qu'il dégarde dans Saint-Marc, et fini de traverser mal aux États-Unis, mal retrouvé les parents qui étaient déjà là-bas, on voit. Et puis, là, à l'âge de 8 ans, 13 ans, je retournais en Haïti, je fais un petit backup en Haïti vite fait. Je fais un collège qui est de Jésus. Et puis, par la suite, je traversais, je venais en France même. Et puis, depuis mon France, on stabilisait nous ici, on a fait baillot, comme il se doit. Voilà. Ça veut dire que Ludo, vous vivez ici avec vraiment, quand on dit, très 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 jeune. Hein. Bon, on est conseillé d'Haïtien par les baillages. Mais qui a nos fêtes ou qui l'âge? Moi, j'ai fait en 1977. Et. Qu'on est, ça c'est l'âge grand homme. Grand homme. Oui, Ludo, oui. En tant que jeune artiste, c'est tout le monde toujours bon modèle. Oui. Tout le monde va suivre. Qui est-ce qui inspire dans le milieu ça? Mon cher, premier lieu, il y a un groupe qui t'a mené, qui t'a battu le monde. À l'époque, c'est à l'époque, en hein, bel temps, quoi. Et le style Das Ofex. Today et up to tap, it don't stop, one by Sao. Et puis après, on vient gagner Fujis. Ah, Fujis qui t'a battu, non. Et puis à l'époque, les Fujis sortis. Et c'est direct que c'était le premier lien des Haïtiens, moi, qui était sorti, comme on appelle ça, triple pour le jour, c'est Haïtien. Et ça a tellement mon motivation. Je dis, yo, je me ressemble avec Sao, mais c'est rien que pour ça. Et puis bon là vraiment en France, on a un grand artiste aussi qui aurait les Kerry James. Et voilà, nèg ça me dit qu'on a suivre. Et puis pendant que m'a suivre nèg ça tout prend parti là dans tout, comprendre. Et pour me faire ça m'a fait était modèle loin. Moi travaille ensemble avec pas mal d'artistes comme mon artiste un fan noté gain ici et Alibi Montana. Et en 2010, quand CIS n'a été passé à aussi, nous avons fait une compilation et One Shot. Le problème de One Shot là, c'est d'ailleurs un paquet d'artistes là, et puis nous voulons monter quoi. Ouais. Et par la suite, nous avons fait projet PAM. On voit, nous fait projet PAM. Et le premier projet, c'était Credo le phénomène. À l'époque, c'était tellement dans le mouvement, je me disais, ah, pas gain 2, pas gain 3, c'était un phénomène. Non? On voit, c'est un phénomène. Ça, c'était titre, Europus, qui était fait 4 titres. Et puis, par la suite, ça a continué, nous travaillé. Et je sorti un album qui s'appelle Tranche de vie. Et pas mal de artistes aussi, m'étaient présentés, artistes à laquelle je m'étais remis. Et nous travaillons ensemble, nous avons abouti sur l'album ça, qui est les tranches de vie. Ouais. Et puis, bon, par la suite, nous avons une histoire, nous revient là. Avec l'événement qui est passé, la Caïnon, nous connaissons ça qui est déjà. Et nous avons perdu vraiment un grand homme, et, qui était président Jovenel Moïse. Donc, je ne sais pas si ça va me faire, je ne sais pas si qui n'a pas la voix pour me dépasser, pour me parler de sensibilité, ça qui a passé depuis hier. Et pourtant, bon, c'est vrai que je n'ai pas grandi là-dedans et je ne sais pas si on est en gros, en grand bagaille dans le pays. Mais ça a touché à un point que, il y a un moment qui est comme ça, on l'aime, je me dis putain. Il faut m'écrire un bagaille que pour ne pas ici en réveiller, on va pour rassembler les peuples en même temps. Et Titlan est venu dans la tête comme ça. Et je me suis dit que Titlan, ça me va même écrire. Ça me fait
Pourquoi ça titre ça? Pourquoi ça choisit titre ça même pour, hein? Mon cher, titre là, ou abdim, qui me font réflexion, qui me réfléchit. Non, pour autant que titre là, il est venu dans la tête comme ça, il me dit, après, il est en deuil. Pour qui ça en deuil? Parce qu'il me supposé que toute nation haïtienne, tout peuple haïtien, et que ça soit en Haïti ou bien à l'étranger, et senti que nous sommes en deuil. On voit ça veut dire que même il y a des gens blancs, il y a des séries de blancs en même temps, il a dit pour qui ça, ça arrive, c'était frappant, c'était marquant. Donc pour moi, c'était la seule façon de faire dédié musique là, et pour moi même pas jeune l'autre non pour me tirer bah elle c'est en deuil, voilà. Bon, dis-nous Lido, qui ça pousse pour écouter musique comme ça? Est-ce que c'est parce que au son humain bah elle a tellement touché les frappes ou dit bon m'a écrit sur lui, ou bien c'est parce que au son jovenéliste? Mon cher, premier, le sac qui frappe, c'est patiment. Mes critiques ça pour un potori garçon, yon humilié. Mes critiques ça pour un potori garçon, yon assassiné. Que dira par un oreille froid, il écrit pour t'accompagner jusqu'à la porte du paradis. Maintenant, on sait que tu ne voulais pas avoir un trône pour mettre toi et ta famille à l'abri. J'aime. Après que t'es parti, tu es devenu une icône en portant ces hématomes qui ne pourront jamais guérir. Aujourd'hui, on a formé un crew, on s'est prosterné à genoux et chanté notre amour pour toi. Quitte nos terrains, mes Jovenel, quitte nos patrons, mes Jovenel, ça qui passe, au monde pas qu'il était insensible. Même si t'es pro, Jovenel, même si t'es raïl, Jovenel, on va dire que ça n'a pas tout chaud, on va dire que ça. Pas vraiment font acte sous. Donc c'était sous style ça, sous style basé, que moi-même, ça t'est vraiment touché, moi, plus profond, pas mentir. Même là que je finis d'écrire texte, pour me poser texte, je l'ai sorti dans le gym parce que ça t'est fait tellement mal que vous rendez compte pour un bail comme ça. Et malheureusement, c'est toujours à la fin. Et on a toujours dit, ah ouais, l'été ceci, ça t'est cela. C'est là où on a parti. Qu'on y a nous-mêmes, nous tous, nous avons la gloire. C'est là nous tous avons parlé de bien de lui-même. Et le texte, c'est basé sur la façon dont nous étions saletés, sortis pour le fait, et montrer nous, ouvrir nous, ça n'a pas voulu elle. Et qui fait que ça vient arriver. Qui nous a dit? Mon cher, l'oisim, c'est que c'est football. Football, je ne suis pas devenu un professionnel, mais son bail moi-même en pile. Moi-même, nous, et puis un fanatique de. Et en plus, tout le monde fin fait une journée de travail. Et on prend la tête dans le travail humain. C'est le côté où on a le défoulé ou bien on a le distroit. En football, là, on a le courant après derrière le ballon et puis pour étirer un peu de stress. Voilà. Et puis, et surtout, on a une petite base. Et bon, je vais oublier tout pour que ça ait un bel big up. Base la Courneuve, c'est nous-mêmes qui formons la base là. Et son base. Tout nous retrouver nous tant qu'on sort des familles quoi en samedi et tous les samedis ou bien nous là ça capa enjoy yo mais nous joue football non, en même temps football là pas gagne mentir dans ça c'est là donne jeune plaisir men après musique là men ouais.
changé, ça t'est passé comme ça, hein? Ok? Les frères veulent tous se buter, franchir la ligne des affranchis. Sniffer des lignes de coke comme Tony Montana. Le bal souffle, le vent souffle, kiff. Mon style est à couper les souffles, souffler les bougies pour mes 20 ans. Et si je m'en sors, jette un coup de ta fille pour les morts. Tête à tête, c'est lui qui crève, qui a tort. À travers le feu et les sonores, protège mon territoire, tige les lascars, car mon but, c'est d'être au top. Et si j'ai réussi, c'est ce qu'a les top. Buter, c'est qu'ils veulent toujours mon plan. Chacun sa vie, chacun sa merde, alors fais pas chier. Là où je sors, là où je viens, credo phénomène, toujours en action. Ok, mon rap est là, rien que pour la progression. Imagine, si un jour ça pète, il faut que tu dises ça, cet homme que je l'ai connu. C'est inconnu, mais connu pour tout ce que pour l'avenir. Les jeunes, on est là, rien que pour nous, on est là. Je vis en freestyle, c'est ma vie. Ok? Et même sans arrêter, sans avant. Voilà, l'homme, quel homme, credo. Je salue tout membre H-Live qui vient bon love là parce que je connais qui me prend tant yo. Et en même temps, tout qui vient là, qui fait un paquet de sacrifices pour venir là, pour yo bon love là. Donc, je remercie tout membre de H-Live. Et qui est du plus petit échelle jusqu'à grand président, peu importe. Mais je dis non merci. Et on connaît le travail qui fait là. On a fait une globalité pour moi, pour l'autre, pour tout ça qui a venu. Merci encore, H-Life. Et puis, on a aussi que, qu'a vraiment, un bel big up parce que son équipe est toujours là, il est tout prêt à tout. Mon cher, nous-mêmes, nous avons l'homme que l'on nomme Gizli, qui fait partie de vraiment manche pilon, non, tout ça. Et bah, M. Bellov, là, qui a fait un bel travail, et qui est toujours prêt avec, pour la jeunesse. Et puis tout, quelques grenègues qui suivent nous, qui sont toujours avec nous, la Courneuve, et qui fait partie vraiment membre, trip nous, crew nous. Et d'ailleurs, que la plupart, on a un clip dans tout. Et je ne peux pas citer, on prend ça avec nous, mais je remercie tout le monde qui fait partie, qui bat vraiment tant pour le clip la réalisé. Et je ne peux pas oublier tout, toute équipe qui était derrière moi, tant que Bruitard, c'est notre production, bien sûr, c'est. C'est là nous travaillons, c'est là nous faisons affaire, non? Et puis, Johnny, François, je remercie beaucoup. Et même les deux fois que qu'on a tissé au chien, moi, je suis toujours là, Mackenzie. Mon cher, réalisation, hein? Eh bien, on connaît que. Dire ou faire, c'est facile. Mais l'arrivée sur le terrain, pour faire, là, j'ai une difficulté. Et nous-mêmes, nous avons gagné un but, nous avons gagné un. Comment dire. Et tout le bagage, nous avons gagné un prêt que je n'ai pas réalisé. Mais chacun dans nous-mêmes, encore une fois, en belle équipe, nous mettons l'idée nous ensemble. Et chacun mène un bout d'idée, et puis nous mettons nous essayons de mettre vraiment en acte. Et réalisation, pas de facile. Et surtout pour gérer tout groupe ça qui était des noirs, n'est pas facile. Donc, on réussit quand même. Et là, on dit merci à toutes les encore une fois. Vraiment, c'était. On fait travail à l'agent de notre café. OK? Oui, mais financièrement, c'était que. Comment organiser? Est-ce que c'est vous-même qui avez mis tout le pacte là ou bien vous avez joué des sponsors? Mon cher. Sponsor non, mais c'est équipe Bruitard en général et qui te mettait toute possibilité pour nous voir si nous avons réalisé ce titre-là et réaliser ce clip-là en même temps. Ouais. Et Bruitard, ça reste en production et bientôt
n'attendait pas parler de lui-même là, mais c'est la deuxième réalisation que nous fait. Mais on compte bagayo lui pas facile, mais ça vient. C'est plus tard, c'est tout. C'est plus tard qui en général même. Ah, on commence non. Oui, oui, ma blague, t'inquiète pas. On est faut mettre au bain au couler dans tout. Et ça lié. Ah, pas grand qui fait, bah ça pas fait simple. Mais ça va faire c'est bon. M'écritez ça pour un potori garçon, yo humilié. M'écritez ça pour un potori garçon, yo assassiné. Que dire à part un au revoir et écrit pour t'accompagner jusqu'à la porte du paradis. Maintenant on sait que tu ne voulais pas avoir un trône pour mettre toi et ta famille à l'abri. JM, après que t'es parti, tu es devenu une icône portant ces hématomes. Tu nous as laissé en deuil. Yeah. Pendant que les autres se moquent, nous regardent du mauvais œil. Rien ne sera plus pareil. Yeah. Yeah, yeah. Tu nous as laissé en deuil. Yeah. Pendant que les autres se moquent, nous regardent du mauvais œil. Rien ne sera plus pareil. Yes. Ça y est. Comme ça, on la gueule doucement, doucement, tranquillement. On la gueule comme ça. Bah, donc, faut que yo, faut yo pas prendre un texte là pour une attaque envers je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. C'est juste une musique que nous fait pour un président que nous gagne qui était mouru. Ou est-ce qu'on a mesure là? C'est pas moun nous attaquer, c'est pas moun n'a cherché attaquer, et puis c'est pas politique qui n'a cherché faire tout. C'est juste, nous avons un président qui mourit, il mourit dans nos mauvaises conditions, et que nous faisons musique pour nous faire deux. C'est ça que nous faisons. Et j'en dis là okay? Tout, que les pas qui ont vers président, c'est à toi, même si sont l'autre. Yeah. Mais peu importe, tout le monde qui laisse pour vous, et tout le monde aussi qui vit ou aller pour rejoindre la justice là. Nous-mêmes, nous avons gommé pour justice seulement. Et la justice. Et que tout le monde a parti en paix. Polo, PG Vibe. Je dis à la, HLF débarqué dans la cour là qu'on est pour nous rencontrer des gros artistes qui ont conseillé des belles bagages dans la communauté. Hein. Et là, actuellement, on est avec PG. Bon, PG, parlez-moi en long et large, qui est-ce qui PG? Bon, tout d'abord, je salue toute l'équipe HLF là. Et que je salue tout le monde qui a regardé nous dans le monde entier aussi. Alors, PG, son tinec qui fait Port-au-Prince, et que après, je traverse Guyane, et que je viens en France, je fais un pile de bagages dans la communauté en France. Il y a un pile de monde qui connaît sous nom Polo, ici. PG, est-ce que tu es capable d'expliquer aux téléspectateurs qui parcourt dans la musique haïtienne? Alors, parcours dans la musique haïtienne, non. Avant, je suis dans le rap, l'MDBBT, je suis dans le rap Guyane. Dès qu'on a fait de toi petits bagailles, a chanté la plage, a chanté dans maison de quartier, tout ça. On a fait des petits jouets, tu comprends? On a fait des nous et puis après, bon. Et t'es un jazz qui t'est venu checker, Guyane, il y a eu les satellites 757, non, lui, en pile, on boit. Donc, du coup, t'es venu checker, on est là, on vira, on a fait, nous commençons à bien passer tout ça, et puis après, bon, t'es obligé de voler pour la France. Et puis, l'aime venir ici, là, me font paquet de bagages ici, là. Me font paquet de bagages ici, là, sorti plusieurs albums avec, bon, et pas sous nom, même sorti plusieurs albums avec plusieurs jazz ici, là, bon, avec Océan Compas, avec Tendance, avec Sully, l'homme de base qui s'est coup d'État. Et parmi tout ça, là, que me fait là, et me toujours bien un pointement qui l'a dedans. L'aime dit un pointement qui veut dire m'écrit tout bagage, sur la mesure, là, me gérer ça que vous gérez, quoi. Mais vous avez dit téléspectateurs, qu'est-ce qui inspire, qu'est-ce qui m'étonne en musique, qu'est-ce qui pousse au faire musique? Alors, ça son bagaille, je ne dis pas comme si j'étais un bagaille qui inspirait, qui m'étonne dans la musique. Parce que depuis que je me lève, en fait, la musique marche ensemble depuis que je me lève. Papa me lève, je jeune papa m'a fait musique, je jeune maman m'a chanté, et dit, papa m'a pile le monde qui doit connaître papa c'est Mathias Guerrier, c'est monsieur son chanteur l'évangile. Et monsieur qui était, si un peu le monde pas te connaît, c'est monsieur qui t'a montré Dado parce qu'il joue guitare. On a mesuré là. Et dit, me lever dans le milieu, côté c'est ça, me joindre. Tu dis, bon, si par exemple, papa, c'est professeur Dado Basket, et quand, par exemple, les nous parlons de Dado Basket dans la musique haïtienne, nous, qu'ils allaient dire.
Mais pourquoi est-ce que vous parlez de ton gros guitariste? Alors, je joue guitare. Je joue guitare. Et je distrais dans le piano. En fait, je joue un peu de la musique là. Mais c'est chanter, je chante plus. Et puis, en fait, moi plus joué pour m'accompagner. Mais ça, comme si moi vraiment fait assez chanter. Et puis, attention, et bah, chanter seulement, m'écris bien, et puis, n'est-ce que faire musique bien, tu comprends? Qui dernière expérience là et dans la musique là actuellement? Ben dernière expérience moi faut moi dire nous que là et m'gain deux clips qui dehors là les petits deux clips là m'gain une qui c'est pour moi et puis m'gain deuxième qui c'est avec Mr Credo et ça me fait un afro et qui c'est on est connecté clip là sur YouTube toute bagaille et puis l'autre là c'est en deuil. L'autre là c'est en deuil avec Mr Credo, Bah Malé qui sont musique pour Jovenel Moïse que nous font Bah Malé na marché. Mais quelle réaction les que Mr Credo t'es contacté pour collaboration ça. Sous le coup, quelle réaction pour dire ah mon cher Pidji, j'ai tel projet, mais ça m'envie faire, Ou même sous le coup, comment t'es réagi? Mon cher Bamzou, moi pas jamais étonné de rien qu'a fait. Mais faut moi dire ça fait comme si moi t'ai vinn faire là, ça fait comme si m'étais plus accepté faire projet à monsieur et là comme si m'tendais texte monsieur. Texte là gain fond. Là comme si on est ou écrit en musique ou pas comme si ou commence son côté ou commence rabattre musique là et que après façon commencer à ce qu'on soit fini, m'étais remettre texte là en pile. Le texte en pile, donc c'est peut-être ça que moi m'étais accepté faire fit là, monsieur. Ça veut dire tout de suite, monsieur contacte ou monsieur présente au projet, ou est-ce son bon projet, texte en sens ou emballé. Exactement, logiquement. Puis, on a collaboré avec elle depuis, mais c'est rentré, et puis nous on est simplement nous rencontrés, et puis nous sommes tombés d'accord parce que c'était non style. Et puis moi même dans l'autre style, me dit get man, moi mais j'en a plagué à Onvan. Et puis ici à Oko, et là où est continué à, et là nous enjoy non n'est-ce pas? Et là bas il fait, il est sa classe là Onvan dans mes yeux, et la classe là, mais c'est là comme si nous fait plus fort bah et puis après nous enjoy quoi nous. Voilà, et me dit PG man, ah d'ailleurs me convertit oui man. C'est dit comment ça convertit. On a converti artiste, mais dit yo, m'a converti au n'est-ce pas, mais et puis là c'est là tout, nous sommes tombés d'accord. Et puis bon, on bosse ensemble, hein. Et pas premier bail, non, c'est simplement un travail ensemble. Et puis vraiment vrai, l'un suit l'autre, l'un bail l'autre conseil. Et quand on a dit mais c'est bail conseil là, mais c'est porte rapporte beaucoup. Le musicalement parlant, mais c'est rapporte beaucoup, mais en fait compte. Nous-mêmes, côté nous est là, et puis nous tout formé un crew qui s'appelle Brut Art. Brut Art Production. En fait, Credo, ça me dit, par exemple, comment par exemple, lorsqu'on écrit un texte, comment faire ça avec PG ou faire allusion? Directement faire allusion à PG. D'accord. Et lorsque tu as contacté PG, qui réaction PG est bon? One love. Et depuis aussi c'est vrai que moi-même tout seul j'ai imaginé on va dire ce qu'on appelle les parodies en moi m'imaginer ça tout de suite me fait allusion me dire son seul nek qui cabon voir ça me besoin si me fait l'rap seulement il pas belle et ça me besoin aspect me besoin mais c'est à bon moment parce que je connais à qui est mon affaire ouais ça me veut qui est-ce qui a bon foi me besoin et tout de suite même mais c'est arrivé au studio et comme si c'était et mais c'était déjà même et faut moi dire tout c'est normal que en fait que c'est normal que m'entrer en gonec sous bit là parce que façon que m'entrer sous bit là déjà texte a bien écrit me chante de dire déjà même les me répéter le m'pas fin répéter parce que l'autre temps qui bon dans soir obligé dire déjà tout ça yo intrigué pour comme si pour me t'entrer en gonec sous bit là et puis ensuite c'est pour une bonne cause on a mesuré c'est pour une bonne cause donc du coup m'pas ta capable faire le bel. OK bon comme que
son question que nous te posons avec Credo déjà. Par exemple, ou même, bon, on va pas dire comme si par exemple, on va qualifier dans qui qu'on est. Par exemple, on est qui présente un texte comme ça. Est-ce que par exemple, le texte a frappé en tant qu'humain ou bien en tant que journaliste? Non, en tant qu'humain. Moi, je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique. Je fais musique en fait, je fais musique pour une population, je fais musique pour un peuple, je fais musique pour tout le monde. On a mesure là, je pas un camp politique, je n'ai pas un côté comme si je me garde en fait. On a mesure là. Je fais musique là tout, yeah. Pas pour une personne, mais yeah. Pour des milliers de personnes. Voilà. Eh bah ouais. Yeah. Yeah. Donc moi, je ne fais pas politique. Je fais politique. Mais ça veut dire que bon, là, on est pas sous plateau H-Live là, et côté H-Live déplacé. Venir rencontrer nous parce que H-Live même c'est objectif lui pour nous rencontrer jeunes talents yeah. Parce que nous garder pour nous que on pas que talent caché en pile et si nous même en tant que média nous pas déplacer à joindre monde ça yo à joindre tout et gros talent ça yo pour nous propulser yo pour nous faire monde connait yo il y a toujours été et dans cocon yeah. Et c'est ça que nous même nous bail comme objectif pour nous déplacer pour nous aller pour nous et parler avec nous pour nous dire que ça a ressenti et pour parler avec le public. Yo, yo pas oublier que tu allais me parler de Mr. Gibson Jackson, alias Sanson. Yo, bro, monsieur fait paraître là. Aïe, mettez dans la musique. Et c'est chèque, monsieur, m'a frappé micro à depuis tout à l'heure là, man. Bah, là, ah, m'a balcou, man. Donc, monsieur fait paraître là. Et c'est nègre que moi, vraiment pile. De, si on a besoin bon on bon tabouine mais dans monde mais une sixième pour moi même obligé la gueule comme ça mais n'est pas faute moi yo Sousoun vini yo mais Sousoun mais Gibson Jackson yes bon, yes bon Sousoun dis nous qui sont fait déjà dans la musique haïtienne là en France bon tout connaît pas fan pile bail bon. On fait ça bon, ça bien pour faire. C'est Belay. Et on a volé ta voiture. On a tout fait. Bon, depuis me fait, on commence, on débute, on me lève, on grandit dans la musique. Et en deux mots, 620 heures, et dans bonne rare, on commence. Après, mon papa, moi, c'était bien avec un prix de bon musicien, Eddie Boucanguinet, Eddie François, Banabé. Donc, là, on vient faire cérémonie. Je me pour le tambour, tout le monde, chaque monde qui a un instrument, mais comme ça, et on garde, joué, après, bon. Mais que j'en baille autour, vin nage. Ça veut dire, mis à part tambour, et qui l'a testé mon jeu? Je touche, bon, je cloche, je touche batterie. Bon, après, bon, fait ici, continue aussi sur le piano. Non, combien de jazz vous passez ici en France? Ah, on peut la compacter. Bonjour. C'est fait tout. Mais, attends, moi, je pose une question. Là. Comment est l'avenir musique haïtienne en France? Bon, moi, c'est une belle bagarre parce que. Ben grand côté rivé aujourd'hui avant les pattes comme ça, les pattes comme ça, et aussi grand pile d'autres nations qui pat bon gars qui pat bien amis haïtiens qui pat dans milieu même qui vini les rivé bon ça veut bagarre moi les bon les africains bref qui veut dire en pile d'autres nations mon Afrique moi gars arabe me connaît gars réunionnaise toutes l'autre nation mais là où vini là regarder ouais y a danser comparable je compare pour toi avant était que ils sont quand jeune donc qui veut dire bon travail qui fait vraiment vrai côté le théa il pas là qu'on a le marché pas qu'on a et pas marché le marché encore il voltige courir aller le vivre loin Gibbs ma petite promotion simplement ça me t'a demandé peu importe ça n'a fait à nous parler une seule langue on passe même les n'a parlé peu importe ça n'a fait à son seule langue qu'on parle d'envie simplement pour tout artiste haïtien qui vit en France apprendre collaborer vivre ensemble apprendre collaborer comme ça musique noire il cap propulser quelque part on prend ensemble d'eau exactement c'est d'ailleurs si nous travaillons ensemble et ça c'est le moment d'aller collaborer ensemble mettez tête ensemble pour nous on bagaille c'est tout oui. Bon. Ça veut dire que sous illustration Mr. Credo ça veut dire que lui tellement aimé collaborer avec PG et puis imagine toi par exemple que nous on collabore qui gagne PG Mr. Credo et puis quel autre artiste encore. Parce que bon, si nous avons pour citer, la c'est tellement bien plein. La plus belle. Et dit, tout ça pour l'avancement de la musique haïtienne. De la musique haïtienne. Exactement, comme, oui. Et comme nous, le nom de Credo veut dire que au service des autres. Ah, ouais, bon. C'est-à-dire bon. Que j'aime tellement les gens
que moi je suis toujours au service. Bon, c'est ça. Bah, aussi me devait ajouter. Bon, qui manque moi aussi dans la communauté là. Donc qui était comme fait avant, c'est ton festival qui les fondé ça. Ou t'es conjoint que Jazz Paris. Qu'on pas joindre ça, on pas joindre ça encore. Donc du coup, même les gens qui ont envie danser, en fait, et plus baga qui saute ailleurs. Même les batailles, même les n'importe jazz, pour me dire que n'importe 5 jazz Paris sur même stage, sur même scène, cap jouer, cap bail frappe, cap bail. Yeah, ok. Yeah. Là, ça veut dire, là, son appel. On appelle, il fait un appel. Il fait un appel et puis il fait publicité en même temps. Ouais, même. Avec Bonne qui est organisateur ici en Fosio, puis on met Kosso dans le taillot, puis on pète l'événement. Exactement. Quand on a vu ça lui-même, nous mettons le dernier nous devant. Pour avancer, pour avancer. Voilà. Et ça, pour avancer. Et y aurait ça maintenant. Dinero, yeah. Dinero. 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 Voilà. Ok, bon, c'était H Live, dans la cour Neuve, qui est venu rencontrer un CD artiste. Nous avons PG, nous avons Credo, Mr. Credo, et puis nous avons Gibson, un tambourinet total, tambourinet. C'est pas 10 000 dangers, non? Non. 20 000 mounes, ça c'est Gibson Jackson, ça c'est Pitim Pim. Pitim Pim, ça n'est pas clap pop. Et que je dis un grand merci pour le déplacement H-Live. Toute équipe H-Live là, big up. Moi, mon travail n'a pas fait, continuer de travailler là comme ça parce que la jeunesse a besoin. Et je dis nous merci encore. Et que big up tout le monde. Merci en pile. Jovenel Moïse, tu fais partie de notre histoire. Comme Nelson Mandela, Malcolm X, Rosa Parks, pour ne pas trop en citer. Crois-moi, tu resteras gravé dans notre mémoire. Chaque religion crie leur divinité. Aujourd'hui, le peuple haïtien a perdu un leader. Je t'assure, ton assassinat restera pas impuni. J'espère que là-haut, tu nous pardonneras de ne pas ta voix écouter. Toi qui voulais tant nous ouvrir les yeux, la vérité finira par éclater. Dommage que tu as quitté les navires trop tôt. On peut que t'es rend hommage. Ta combativité acharnée a pris les larges. Tu as foutu la rage à ces crapuleux qui t'ont assassiné. Qu'ils aillent au diable pour qu'on puisse avoir la paix. Sur ce, mon commandant repose en paix. Tu nous as laissé en deuil. Pendant que les autres se manquent, nous regardons du mauvais œil. Rien ne sera plus pareil. Yeah. Tu nous as laissé en deuil. Pendant que les autres se manquent, moi essayer. Yeah.